Driving solo, I'm just swerving through my hands. When I'm sober, I just don't like who I am. Pull me up a four and I feel like myself again. What's good YouTube, c'est ton gars Mr. Code Gaming, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme promis, je vous ai dit que j'allais poster la vidéo, la partie 2 des tryhards qu'on a joué. J'ai sorti la première partie hier. Donc comme je vous avais dit, j'allais la mettre et voilà. Donc ils sont revenus nous jouer, ils ont cru qu'ils allaient nous battre encore. Ils voulaient prendre leur revanche, on s'est dit ok pourquoi pas, ils sont pas hyper forts, donc on n'a pas quitté le terrain, on les a joués encore une fois. Donc je commence, je passe à Théo, je lui mets l'écran et il met le 3 points en switch. Ça, pour le premier panier du match, 3-0 pour nous. C'est toujours les mêmes joueurs, ils n'ont pas changé d'équipe. Ils ont toujours pas changé de jeu. Hein. Le meneur qui a mis le 3 points cette fois-ci, je l'avais laissé open. Hein. J'ai pas bien défendu sur cette action. Mais bon, c'est pas grave. On me fait des écrans, Il défend bien sur moi. Je passe à Kings, je passe à Théo. Le pivot saute, Théo qui fait un fadeaway à mi-distance et ça rentre en switch. Parce que Théo c'est un créateur de tir, donc il est habitué à mettre ses shoots là, c'est son archétype est fait pour rentrer ses shoots là. Le meneur qui a essayé de me feinter, j'ai sauté mais il a quand même raté, je passe à Théo en contre-attaque et il met le dunk à deux mains. Ça fait 7-3 pour nous, on les mène déjà dès le début du match. Là ils ont perdu le ballon encore. King qui va aller il est monté mais il a raté. Il était un peu dur ce shoot quand même. Le pivot était sur lui. Le pivot qui brique le 3 points. Le shoot à mi-distance, pardon. Donc depuis le dernier match, il brique. Il est pas très fort au shoot. Là j'ai pas compris pourquoi ça a été intercepté. Je voulais faire une passe, ça a été intercepté. Là, le meneur qui essaye de me cross. Il zigzague. Il passe au pivot qui coupe la raquette et qui met le dunk à la main droite. Je pars très rapidement. Je fais la feinte. Et là, je voulais passer à King. Et encore la passe déviée. Ça aurait été une belle action là si la passe n'aurait pas été déviée. Mais bon, c'est pas grave. Théo. Avec la balle, il le cross, il passe à King. Et King qui me passe à moi, je fais la fin de frappe. King, je donne à King et King met le 3 points. Ça fait 10-5 pour nous, plus 5. Ça fera plus 5 pour nous. Le meneur, toujours en train d'essayer de me dribbler, mais je défends bien. Il part vers la raquette, il a passé. Au pivot, il y a eu un bug d'animation, un truc comme ça. Il a perdu le ballon. La balle pour nous. Je passe à Théo qui passe à King à 3 points. Il le rate cette fois-ci, il a raté. Il aurait pu beaucoup nous aider ce 3 points parce que ils auraient perdu le mental. Le pivot qui brique le 3 points contesté. Belle défense de Théo. Théo à mi-distance, le fadeaway et qui le met, comme je vous ai dit, ces shoots là, ils sont faits spécialement pour lui. Donc du coup, quand il a une opportunité, il peut le mettre et tranquillo. Alors le pivot qui met le 3 points hyper contesté, il a quand même mis, je sais pas si c'était un 3 points, un 2 points. Mais en tout cas, il a mis le shoot hyper contesté, alors que le shoot open l'avait raté. Vous voyez la logique. King qui me repasse, je couvre la raquette, je repasse à King à 3 points, et il a briqué encore. Rebond pour le pivot. Le meneur, toujours en train d'essayer de me crosser. Là, il m'a eu, il a repassé au pivot. Là, on s'est pas très bien entendu... Moi et King sur genre parce que on savait pas si on allait switch ou pas.
Donc du coup le pivot a eu il a coupé, il était open. La Théo qui repasse à King avec le shoot à mi-distance fade aussi, parce que King est un meneur créateur, donc lui aussi ces shoots là ils sont faits pour lui. Là le pivot, on a failli intercepter, non on l'a intercepté, on l'a intercepté. J'ai repassé à Théo et qui met le 3 points, ça c'était un 3 points ultra décisif. 17 à 9, on les bat totalement là, ils n'avaient pas trop d'espoir à ce moment là. Nous on voulait juste la victoire et c'est tout. Le pivot qui coupe encore et qui met le reverse layup. Ça fait 17 à 11. Là j'essaye de le crosser encore. Là je lui ai brisé les juifs. J'ai tiré, j'ai repassé à King. J'ai un petit peu brisé les juifs. Là vous avez vu comment il est parti vers la gauche. Je fais les fats mais ça a compté comme marché parce que mon joueur il avançait en même temps. Et balle pour eux. Alors que j'avais mis le layup. Dommage. Le meneur qui repasse au pivot. Ils essayent de mettre un 3 points là, parce qu'ils cherchent pas trop le 2 points. Là ils coupent. Mountain Mars. King, le snatchback, il repasse à Théo. Théo le snatchback encore. Le pivot qui défend bien sur lui, hein. Le pivot qui défend très bien sur Théo. Il me passe à moi. Je passe à King qui coupe vers la raquette et qui fait un reverse dunk sur les deux pivots. Hein. Vraiment, ce dunk-là était magnifique. C'est généralement des dunks incontrables. Là, le pivot qui perd encore le ballon. Ils ont encore perdu le ballon à cause d'une animation, je sais pas quoi. Sur les deux matchs, ils ont énormément perdu de ballons, hein. Énormément. Ça leur a fait pratiquement perdre le match, hein, tous ces ballons perdus. Parce qu'à la fin, nous, on conclut et on met le panier. Là, j'essaye de le crosser un petit peu pour mettre le panier de la victoire. Je repasse à Théo, qui met le shoot à contester quand même. Il a raté le rebond du pivot et faute de Kings. Donc là ils vont essayer de forcer le 3 points pour revenir. Mais nous on va pas lâcher. Il faut pas lâcher. Donc du coup regardez, ils essayent de forcer le 3 points. Et il l'a mis. Ça fait 19 à 14. Là ils sont en défense haute. Je mets l'écran à Kings qui me repasse. Les deux sont venus en prise à deux. Et je repasse à Kings qui met le mi-distance. Et on a gagné ce match 21-14. Donc ces tryhards sont venus nous jouer deux fois. On les a battus deux fois d'affilée. Ensuite après ils sont plus revenus puisqu'ils se sont dit on est trop fort pour eux, sans me vanter. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos comme ça. Et sur ce je vous dis à la prochaine fois. Abonnez-vous, likez la vidéo, allez checker mon compte Twitter et ma page Facebook dans la description. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Peace. Bang bang.